Je suis Jean-Louis Mercuzot. Il se trouve que je suis au Théâtre du Coin des Mondes, qui est un lieu où j'ai le bonheur de diriger la compagnie Légurande. Alors, je suis auteur, je suis également metteur en scène, et puis je suis aussi comédien. Alors, le projet Fixience est un projet qui rejoint notre projet à nous artistique de compagnie Légurande, puisque nous menons un projet art et science, donc on travaille avec des chercheurs tout au long de l'année sur des thématiques, et ensuite on fait de l'artographie, c'est-à-dire qu'on met en scène ces travaux de recherche. Et donc on a voulu faire partager avec un collège, le collège Montesquieu d'Évry-Courcouronnes, un projet autour des arts et des sciences. Je m'appelle Isabella Kaiser et je suis comédienne. Donc je fais un métier dans le spectacle vivant, dans le théâtre. Le projet Fixience, c'est un projet qui a deux volets, deux parties. Une partie où on travaille sur l'œuvre Voyage au centre de la Terre de Jules Verne, où on est sur un travail de lecture à voix haute, et puis dans un deuxième temps d'enregistrement en podcast de cette œuvre. Et un autre volet où on profite des questions et de l'univers scientifique proposé dans l'œuvre de Jules Verne pour en apprendre un peu plus sur plein de thématiques qui sont abordées dans ce voyage au centre de la Terre. Dans la vaste gueule de ces monstres, ce rêve où j'avais vu renaître tout ce monde des temps antéhistoriques, des époques ternaires et quaternaires, se réalisait donc enfin. Nous étions là, seuls dans les entrailles du globe, à la merci de ses farouches habitants. Dans sa tête, on se fait du cinéma. Ouais, bah ça s'appelle aussi le trac, hein. On le connaît. Et on se fait peur. Et il faut gérer ses peurs. J'ai perdu beaucoup de sang. Je me semblais inondée. Ah, combien je regrettais de ne pas mort. Et ce fut encore à faire. Je ne voulais plus penser. Bonjour, je m'appelle Eugénie Hortense. Et Sengebel, j'ai 12 ans et je suis au collège Montesquieu. Je joue Axel qui est dans la grotte désespérée et qui essaye de parler à son oncle et à Hans. Ce projet, c'est entre le collège Montesquieu et le théâtre des coins du monde. Le projet final est qu'à la fin de l'année, nous irons dans un studio d'enregistrement pour enregistrer un livre audio. J'aime bien le fait qu'on soit en lien avec déjà le musée de Paris. J'aime bien déjà le théâtre, donc je trouve ça plutôt bien qu'on puisse faire un projet en dehors du collège pour un livre audio. C'est pas quelque chose qu'on fait tout le temps, c'est pas quelque chose de banal et j'aime ce qu'on fait. Voilà. Bonjour, alors je suis Madame Delépine, professeure de français au collège Montesquieu à Évry. Alors je ne pense pas être une vernienne parce que je ne suis pas une passionnée de Jules Verne, mais j'apprécie beaucoup ses œuvres. J'ai connu Jules Verne, à vrai dire, très tard, durant mes études supérieures. J'ai vraiment appris à apprécier ses œuvres alors que j'étais déjà enseignante. C'est le Théâtre du Coin du Monde qui est venu à nous et qui nous a proposé ce projet sur Jules Verne. Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il entrait dans le cadre du programme de français des élèves de 5e en lien avec le thématique, le voyage et l'aventure, pourquoi aller vers l'inconnu. J'ai choisi votre classe parce que je me suis dit que c'était une opportunité que je pouvais vous offrir et j'avais confiance dans le fait que vous feriez ce projet, vous mèneriez ce projet avec sérieux. Bonjour, je m'appelle Monsieur Puyatier, Laurent. Je suis professeur documentaliste au Collège Montesquieu depuis presque 10 ans. Le CDI apporte des ressources documentaires, donc des romans, des documents autour de la préhistoire, autour des fossiles, autour des animaux, autour des personnages ou des auteurs. Nous sommes engagés dans ce projet parce que c'est un projet collectif qui permet de mettre en pratique des connaissances, des savoirs et de travailler ensemble avec des élèves.
Bonjour tout le monde. Voilà. Ça va? Oui. Si j'ai bien compris, vous avez étudié un livre qui s'appelle Voyage au centre de la Terre. Et là-dedans, il y a une partie de l'histoire où on voit apparaître des espèces de monstres marins, c'est ça? L'ichthyosaure et le plésiosaure. Donc, c'est bien ça. Eh bien, vous savez quoi? Moi, mon travail de paléontologue, c'est justement de travailler sur ces animaux-là, qui ont vécu il y a très longtemps. Il n'y en a plus aujourd'hui, hein, ils ont complètement disparu. Mais à l'état fossile, on les retrouve. Et donc, du coup, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour vous parler de ça. Et j'ai préparé un petit PowerPoint pour vous montrer quelques jolies choses, des jolis squelettes et des jolies reconstitutions, et pour vous expliquer un peu ce qu'on sait sur ces animaux-là. Alors, j'aurai pas le temps de faire le tour de la question, parce qu'on sait plein de choses dessus et que ça nous prendrait beaucoup de temps, mais on va essayer de faire au mieux. Mais t'affales pas ton corps, ouais, ton corps droit pour qu'on te croie que tu respires pendant que tu lis. C'est bien pour vous de regarder, de rigoler, mais en même temps c'est vrai que si votre corps est comme ça, eh ben vous respirez plus. Hein. T'inquiète pas. Toi, t'es lecteur, il y a des ingé-sons pour ça, donc toi tu t'occupes de ton métier, c'est de lire. Moi je m'occupe de mien, et Hervé, il s'occupe du sien. Exactement. On passe sur deux micros là. Oui. On passe sur deux micros. Oui. Ok. Ben c'est bon pour moi. C'est bon pour toi, ouais. Donc je peux le renvoyer et ça se fait. Tu me dis le top et puis je pars en enregistrement. Moteur. Top. Quand je revins à la vie, mon visage était mouillé, mais mouillé de larmes. Combien dura cet état d'insensibilité? Je ne saurais le dire. Je n'avais plus aucun moyen de me rendre compte de ça. Jamais solitude ne fut semblable à la mort. Jamais abandon si complet. Après ma chute, j'avais perdu beaucoup de sang. Je m'en sentais inondée. Ah, combien je regrettais de n'être pas mort. D'être inscrit à mon insu, je fermais fortement les lèvres et j'appliquais de nouveau mon oreille à la paroi. J'écoutais, j'épiais. Dans l'ombre, une réponse, un cri, un soupir. Rien ne se fit entendre. Rien ne se fit entendre. Quelques minutes se passèrent. Tout un monde d'idées avait éclos dans mon esprit. Je pensais que ma voix affaiblie ne pouvait arriver jusqu'à mes compagnons. Hervé voulait dire quelque chose. Ce qui peut vous aider à l'articulation, c'est de travailler avec un stylo dans la bouche. Ça va vous forcer à articuler. Alors pas n'importe comment le stylo, je vais vous montrer. Ouais, voilà. Pas n'importe comment. Exactement, ça peut, c'est voilà. C'est une bonne technique, vous mettez un stylo, ça va vous forcer à... Moteur. Axel, est-ce toi? Oui, répondis-je. Mon enfant, où es-tu? Perdu dans la plus profonde obscurité. Mais ta lampe? Éteinte. Et le ruisseau? Disparu. Ah, mon pauvre Axel, reprends courage. Attendez un peu, je suis épuisé, je n'ai plus la force de répondre, mais parlez-moi. Courage, reprit mon oncle, ne parle pas, écoute-moi. Nous t'avons cherché un remontant et un descendant dans la galerie. Impossible de te trouver. Ah, je t'ai bien pleuré, mon enfant. Enfin, te supposons toujours sur le chemin du Hansbach, nous sommes redescendus en tirant des coups de fusil. Maintenant, si nos voix peuvent se réunir par pur effet d'acoustique, nos mains ne peuvent pas se toucher, mais ne te désespère pas, Axel. J'appliquais mon oreille sur la paroi et dès que le mot Axel me parvient, je répondis immédiatement Axel, puis j'attendis. 40 secondes, dit alors mon oncle. Il s'est écoulé 40 secondes entre les deux mots. Le son met donc 20 secondes à monter, or, à 1020 pieds par seconde, cela fait 20 400 pieds ou une lieue et demie et un huitième. Vous avez vu que les voix elles sont beaucoup plus fortes. C'est là que Jean-Louis vous a interpellé. C'est ce moment-là où vous interpellez, où vous a demandé d'avoir plus de diction. Et c'est là que vous avez vu que le volume des voix est beaucoup plus fort. J'attends de nous tous qu'on fait ensemble un parcours où on se rencontre, où on chemine ensemble,
où on découvre ensemble, déjà au niveau de la littérature, l'œuvre de Jules Verne, cette œuvre-là, Voyage au centre de la Terre, mais aussi surtout l'aspect scientifique. On a eu la conférence de Peggy Vincent la semaine dernière et moi j'ai appris énormément de choses. Donc ce que j'attends, c'est qu'on soit ensemble dans la curiosité et dans l'envie de faire ce projet ensemble au niveau de la réalisation du podcast, mais aussi au niveau de l'ouverture et de l'envie de toujours rester curieux face aux choses. Je crois que le mot clé pour moi, c'est ouverture. Ouvrir son cœur, ouvrir son intelligence, ouvrir sa compréhension au monde. On se retrouve pour une vidéo. Oh, je vais passer la télé. Ouais, c'est l'idée. Allez, allez, suivez-moi avec moi. Faut être neutre, car pas te faire avaler par ton corps qui fait des trucs que tu commandes pas toi. Attends, c'est ce que ça veulent, fait. Hein. Ouais, attends, ouais, les petits tours. Ouais, mais bonjour, alors qu'est-ce que ça te fait d'aller à la visite du Muséum National d'Histoire Géographique? Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Pourquoi? Parce que t'as le droit à goûter. C'est ça? Parce que t'as le droit à goûter.